Et salut tout le monde, c'est Kanou, on se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Assassin's Creed 2 avec Ezio. C'est parti, on y Il va. faut partir. Lucie, où t'étais passée? Pourquoi ils t'ont... Maintenant. Ah ok, ça commence direct, c'est chaud quoi. Bon déjà j'ai quelques problèmes de manette, mais je le savais. Vas-y. C'est quoi ce sang? Est-ce que tu vas bien? Écoute. Au mieux, nous avons 10 minutes. D'accord. Pas plus. Avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils comprendront, nous sommes déjà loin. Attends, on s'en va? Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions. Plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. Je veux bien. S'il te plaît, entre dans l'Animus. Bon, très bien. Mais j'ai un problème de manette, madame. Mon joystick, il tombe Dépêche-toi, pas. Oui, Desmond. Excuse-moi, excuse-moi. Je vais quand même devoir régler ça, hein, ça c'est sûr. Allez, let's go, de retour dans l'Animus! Yo 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 yo! Sujet 17, Desmond Miles. Sujet 16, confidentiel. Recherche de données pertinentes. Ça fait mal aux oreilles. Correspondance mémoire trouvée. Ah oui, ça commence comme ça, c'est vrai? Oh, ça m'a vieilli, hein. Encore. Oui, oui, c'est bien. Vous le verrez peut-être pas, ça. Oh, ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Petit bébé. Donne-moi. Giovanni. Chut, mon amour. Tout va bien se passer. Giovanni. Tu es un auditore. Oh, auditore. Attends alors. Je suis trop content. Mon fils. Bats-toi. Bats-toi. Écoutez-moi ça. En voilà de beaux poumons. Comment allons-nous l'appeler, mon amour? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Mais je peux toujours pas tourner, hein. Ça risque d'être un problème. Bon, les amis, j'ai réglé un petit peu. Il faut partir. J'arrive, j'arrive. C'est bon, je peux bouger. Je peux bouger. Ici, alors. C'est bon, on y va. Ils ont vraiment un grain, leurs architectes d'intérieur. Viens, suis-moi. Pas de baston tout de suite, s'il vous plaît. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Oh la ferme. Ouvrez cette porte. Je vais donner l'alerte. Intrus repéré dans le département recherche. Je répète, intrus repéré. Elle dans est gentille, hein. Par ici. Bah oui, je suis pas con, je vais pas aller de l'autre côté. Ça. Les voilà. Ah, ils doivent pas s'échapper. Ouais, ouais. Oh là, oh, baf, baf. Oh là 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 là. Mais t'es dingue. T'es trop forte, surtout. Regarde-moi cet endroit. Oh, c'est la merde, hein. Au secours. Au secours. Il y a plein de monde, hein. Je rentre, je rentre. Parle-moi des caméras. Je les ai programmées pour diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien su de tes escapades nocturnes? Pas bête. Oh, t'es la meilleure. Desmond, ils nous cherchent. Il faut pas traîner ici. Oui, bah ça, j'ai bien compris. Je suis pas débile. Mais le problème, c'est que j'ai pas encore réglé les commandes de combat. Oh, ça pue, je vais devoir vraiment me battre avant One Note, c'est sûr. Il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Ok, ok. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité. Ah ouais, et puis c'est une sacrée pièce, quoi. Pour éviter l'affrontement. Moi aussi, j'aimerais bien, vraiment, pour le coup. C'est ça, l'Animus? Il y a plein de trucs, hein. Reste avec moi. Oh, t'inquiète pas, je suis pas prêt de te lâcher. Hé, hey, mais... Il y en a combien, au juste? Oh, oh. Attends. Pas de problème, pas de problème. Au pluriel, on dit des animis ou des animaux. Toi, tu dirais quoi, Lucie? Oh, mais... Lucie? La ferme, vraiment quoi. Besoin de tout ça? Desmond, pour une fois, tu veux bien la fermer? Mais oui, mais voilà, la raison. S'il te plaît. Pourquoi t'essayes de sortir des blagues dans un moment comme ça?
Des animés ou des animaux? Ce passe devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Attends. Il a utilisé du ketchup. Voilà. Oh, allez. Ouais, t'as quand même pas mal de possibilités, hein. Comment t'as fait ça? Je n'en sais vraiment rien. Allons-y. Bon, écoute. Ça va dans notre sens, c'est cool, hein. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus? Le sujet 16? Ezio, Audi... Audi machin? On fait fausse route depuis le début. Okay. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras quand on y sera. D'accord, d'accord. Tu peux arrêter de poser toujours des questions? Oui, mais c'est ça le problème, madame, c'est que j'ai pas fait mes... Oh putain! Oh putain, par contre là... Oh, je castagne, hein! Ouais, venez vous battre, là, et moi c'est Rocky Balboa, et voilà! J'aimerais... Je vais mettre un KO, et c'est bon! Putain, et toi, t'es un sacré malade, toi! Oh putain! Excusez-moi, mais... Hop là! T'as mis dans les bourses! Voilà, les bourses! Hop là! J'ai rien perdu, moi! Je suis Ezio Auditore, hein! C'est laquelle, notre bagnole? Celle-là? Bah, nickel! Tu plaisantes! C'est pour ta sécurité. Tu parles. Je pouvais pas aller juste aller à l'arrière? Ouais, pas long, oui. Techniquement, 5 heures, c'est pas long, hein, comparé à 30. Oh, les pauvres. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, la commande sera ajustée en temps et en heure, hein, sachez-le, hein. Pendant que notre ami Ezio, là, et enfin, Desmond est dans son petit coffre, tout sera réglé, hein, promis. Ah bah enfin! Merci, j'ai adoré. Les boss, les secousses, super. Tu viens? Oui, bah du calme, Tu vas me dire ce qui se passe maintenant? On s'est enfui pour une bonne raison, Desmond. Vraiment? Tu dois nous aider. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi? Ils sont tous morts. Qu'est-ce que c'est? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. C'était un bon à rien. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà? Ezio? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. C'est juste et une légende. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin. Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance, d'accord? D'accord. Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus templiers m'ont fait subir, c'est vrai. Je suis motivé et je suis prêt à tout. C'est clair. Bon. Merci. Bah, c'est un câlin. Pas de câlin ici. Quand même, pas de familiarité aussi poussée alors qu'on vient de signer un pacte. Lucie! Tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? Déjà? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? Vous êtes? J'en oublie les bonnes manières. Ouais. Je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh ! La mémoire centrale !
Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. C'est vrai. Il faudra juste que je fusionne les bases. Pas compris. Mais oui, on va sûrement gagner beaucoup de temps et d'énergie et d'argent. Je dois m'asseoir, c'est ça? Ah, il est minable, le vôtre, hein. Ça, c'est sous marque, c'est ça? Je me demandais, en quoi consiste ton travail? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance, si tu préfères. Le bébé? Tu veux dire l'animus? En fait, je préfère parler d'animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Ah, les d'accord. Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident. Mais il manque d'ambition, de passion, de motivation. Ben. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand ouais. tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à finir, ce sera pas long. S'il te plaît. Moi, je veux y aller. Hein. Bon, écoute, tu me diras. Voilà. Ah, fais du bien. Alors, comment ça fonctionne? Évidemment. Hop, je te branche ça dans le fion. Inspire à fond. Ah, pleure pas, t'es un grand garçon. Sean. Quoi? Il parle tout le temps, votre patte, ou comment ça se passe? C'est parti. Non, parce qu'un connard comme ça, on n'en veut pas, hein. Oh ouais. Là, je dis oui, monsieur. Oui. Oh, c'est stylé. Ah là, je suis content, les amis. Là, je suis très, très content. Ouais, on va faire la fête. Croyez classe. Tous unis pour la victoire. Tous unis. Silencio, mes amis. Silencio. Grazie. Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir? L'honneur. Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous, ce n'est que pure calomnie, grullo. Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Contardo, tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le! Hein? Tu es qui? Je peux l'esquiver ça ou pas? Je vais te flinguer, toi, je vais te flinguer! Retourne, pote! Tiens, oh là, dans ta tronche. Oh, t'es un solide, toi. Tiens, moi, je suis un solide aussi. J'aime bien les petites barres de vie au-dessus, là. Voilà, paf. Oh, la petite claque, et hop, genou, et hop, là. Je m'en occupe, bougez-vous. Voilà. Hé hey, derrière toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Federico, que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Oh bah t'inquiète, regarde, paf, coup de boule. Alors, tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Ouais, je peux faire ça toute la nuit, comme on dit, hein. Il y a terre, hein? Bah, ils tombent tous là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, oh putain, salaud! Putain, mais lui, il me casse les noix, me taper, tu rentres! J'arrive vraiment pas à le choper en plus, vraiment lui. Lâche-moi! Ah, quand t'as j'ai vu un truc comme compter, je crois. Ok, c'est bon, j'ai compris. Attendez. Oh là, voilà,
c'est bon, j'ai compris le jeu là. Qu'est-ce que tu fais à lancer les cailloux là? Qu'est-ce que tu... Putain, de me regarder toi! Putain, de me regarder! Attends, pote! Hop, je te casse les dents moi! Voilà, tes dents, hein, les mirettes. Repliez-vous, repliez-vous. À Minas Tirith. Attends. Quoi? Il faut les achever. Ta lèvre. Oh, ça va. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Oui, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, ils t'ont tout pris? Où il est? Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Ah, donc ils t'ont tout pris aussi, quoi. Alors, bonjour. Ah, désolé, les gars, mais bon. La vie est dure en ce moment, vous connaissez. La crise, la guerre, tout ça. J'ai besoin, hein. Puis bon, là, vous en avez moins besoin que moi, hein. Oh, j'avais oublié qu'il fallait fouiller tout le monde. Il y a bien qu'il y en avoir 50, c'est quoi que ça? Ah. Ça devrait suffire. Il faut partir, les gardes vont arriver. J'aurais dû fouiller lui avant. Oh ouais, là on est bien là. Hein. Ah ouais, tu veux qu'on fait du parcours, vas-y. Parcours! De ces nouvelles modes, je présume. Oh non, Ezio! Oui, oui, non, c'est bon. Voilà, là c'est un assassin ça! Bon, je vois vraiment pas pourquoi vous faites ça, mais oui. Il est parti où? Ah merde, fallait en bas! D'accord, alors lui c'est l'inverse maintenant, faut que je fais gaffe. Je vous salue, docteur. Les frères Auditori, je ne suis pas vraiment surpris. Bah comme d'hab, hein. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Faut titi. Faut titi. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Bien. Quelle nuit. C'est beau, hein. Ça, oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais, en fait, c'est le cas. Il faut rentrer, Ezio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Une petite course, ça te dit? Jusqu'où? Jusqu'au toit de cette église. Ah ben, c'est grand, hein. Je veux bien. Je compte jusqu'à 3. Uno. Due. Tre. Youhou! Bougez-vous, les clodos! Ah oui, voilà, là, ça monte vite. Tu me ferais presque de la peine. Ah, une défaite, ce n'est pas déshonorant. Allez, par ici. Là, ça monte vite, les amis. Tu verras. Là, tu sens que t'es un vrai assassin. Et là, les amis, vraiment, profitez de la musique. Je ne parle plus, profitez de la musique. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer?